Roland Velay et Nicolas Jay, donc ils portaient les pilotes des bottes de manteau une allure noire avec caméra sur le dos, et ça leur permet, il y a un micro, de faire les commentaires à l'écran, évidemment, pour suivre les derniers jours. Je vois que depuis de la place de la Concorde, juste en bas de l'obélisque, il y a un peu d'agitation. Y aurait-il une équipe qui nous rejoigne? Ce serait une bonne nouvelle d'ailleurs, pour tous ceux qui attendent les prestataires notamment. Et donc, je pense que c'est une effervescence. Je vois beaucoup de choses, pourtant, me semble-t-il, dans un peloton compact de gens, avec des caméras, des micros, des appareils photo. C'est un peu compliqué au fond. J'ai l'impression que l'équipe est quand même très sollicitée. Ça ne bouge guère pour l'instant. On va attendre encore un peu. Je crois que du côté du ciel, du côté du sky, c'est bouché. Ce soir, on parlait de France Télévisions. Et bien, dans Stade 2,